And I would then ask, um, ich würde gerne als nächstes die Kollegin Verheyen dann aufrufen. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin. Die Art und Weise, wie hier diskutiert wird zum Europäischen Jahr der Jugend, zeigt, dass es eben nicht nur ein Thema ist, sondern ein sehr breites Spektrum an Themen, das junge Menschen interessiert, wo junge Menschen auch mit einbezogen werden wollen und die Relevanz für junge Menschen haben. Deshalb hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass heute eben nicht nur die Kommissarin da ist, die für die Bildungsprogramme, für die Ausbildung, für die Hochschulen und für die Forschung zuständig ist, sondern dass hier eine ganze Reihe von Kommissaren gesessen hätte. Denn dieses Thema ist ein Thema, das alle Kommissare im Endeffekt berührt und was alle auf dem Schirm haben müssen. Deshalb auch meine Frage: Inwiefern ist das Thema oder sind die Themen, die von den jungen Menschen im Laufe dieses Jahres aufgebracht wurden? Ich nenne sie immer die Big Five: Also Umwelt, das Thema Ausbildung und Weiterbildung, das Thema Digitalisierung, das Thema mentale Gesundheit, die Themen wie unbezahlte Praktika oder auch Partizipation. Inwieweit sind die wirklich vorgedrungen in der Kommission, in einem regelmäßigen Austausch zwischen den Generaldirektionen und eine wichtige Frage, die mir auch noch auf dem Herzen liegt, ist, inwieweit waren die Mitgliedstaaten wirklich einbezogen Es gibt ja noch eine zweite Fragerunde. Gut. Vielen Dank, Frau Verheyen, für Ihre Frage. Zuerst möchte ich Sie erläutern, dass es in der Kommission eine echte Anpassung gab. Team Europe, équipe Europe. Il y a eu plus de 100 initiatives que la Commission a déployées pour l'année européenne de la jeunesse. J'ai fait référence au budget de 140 millions d'euros qui ont été là. Pour soutenir l'année européenne de la jeunesse, évidemment que ça ne vient pas seulement du programme Erasmus, et de European Solidarity Corps, cela vient aussi du Fonds social, ça vient de Connecting Europe, cela vient de tout un tas de, de, de programmes, y compris la politique agricole ou encore la politique maritime. Maintenant, ce que vous avez souligné à juste titre, c'est comment les demandes de la jeunesse faites au moment de l'année européenne de la jeunesse seraient prises en considération dans l'élaboration des politiques. Pour la santé mentale, je pense que j'ai été très claire. Pour moi, c'est évident que dans la communication de la, la Commission qui est planifiée maintenant pour le mois de juin, évidemment que la question de la santé mentale et de la jeunesse doit faire une partie intégrante. Je suis contente aussi qu'aujourd'hui, nous avons montré avec l'adoption du paquet sur les digital skills dans l'éducation. Que nous avons entendu notre jeunesse. Notre jeunesse a été très claire pour la connectivité, pour les équipements, pour les compétences numériques, la façon d'aborder les questions des contenus, de, de la question de la sécurité. On vient de présenter aujourd'hui, ensemble avec les, les vice-présidents Vestager et, et Marguerite Iskinas, un paquet sur les digital skills qui sont des recommandations du Conseil. Maintenant, c'est pour cela, je pense, qu'on doit continuer à travailler sur l'héritage de l'année. Pour s'assurer que dans tous les domaines dans lesquels c'est pertinent et dans tous les domaines où la jeunesse ne demande pas seulement d'être entendue, mais demande d'être engagée tout au long du processus de, de prise de décision, nous devons veiller à ce que ça soit reflété. Et c'est pour cela, pour moi, que servira, encore une fois, j'insiste, la communication que nous voulons présenter d'ici la fin de cette année sur le suivi de l'année européenne de la jeunesse. Es gibt ja jetzt in der zweiten Runde keine Nachfrage mehr. Das, äh, aber ich bitte dann auch alle, wir machen das damit möglichst viele drankommen, sich wirklich an diese knappen Zeiten zu halten und wirklich innerhalb der einen Minute auch die Frage zu stellen. Das ist ja möglich. Ähm, dann würde ich als nächstes die Kollegin Kammer-Ebert aufrufen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kommissarin Gabriel. Die Lage in der europäischen Zusammenarbeit, äh, gerade in der freiwilligen Jugendhilfe, verschlechtert sich zusehends. Auch daran hat das Europäische Jahr der Jugend nichts geändert. Durch Covid sind Strukturen geradezu zusammengebrochen und nur mit großem Mehraufwand wiederherzustellen. Kostenexplosionen erleben wir ebenfalls in diesem Bereich. Und äh, dadurch werden letztendlich Maßnahmen, gerade in der Jugendhilfe, gerade für diejenigen, die sie besonders dringend brauchen, fast unbezahlbar. Fachkräftemangel kommt noch hinzu im ehrenamtlichen Bereich, aber vor allen Dingen auch bei den professionellen Mitarbeitern. Ehrenamt braucht professionelle Begleitung und so verstärken sich die Löcher in der Jugendarbeit und in der Jugendhilfestruktur in ganz Europa. Nichts tun wäre, glaube ich, hier ein Armutszeugnis. Gerade nach dem etwas verpatzten Jahr der europäischen Jugend. Deshalb frage ich die Kommission: Was plant die Kommission, um diesem wirklich gefährlichen Entwicklung gerade im Bereich der europäischen Jugendarbeit jetzt spürbar entgegenzuwirken? Danke. Danke schön. Frau Kommissarin. Madame Kommissarin, j'avoue que j'ai besoin d'avoir plus d'échange et plus d'idées, parce que je peux évidemment ici tout de suite évoquer les instruments dont nous disposons pour pouvoir adresser ces sujets. Cela passe par la stratégie de la jeunesse, cela passe par les youth dialogues, cela passe par les différents forums. Or, aujourd'hui, en vous entendant, j'ai l'impression que nous avons besoin d'attaquer différemment ce sujet. C'est pour cela, encore une fois, je compte beaucoup sur l'héritage de l'année européenne de la jeunesse pour pouvoir identifier ces organisations et cette jeunesse avec lesquelles on va travailler sur ces questions-là, quitte à sortir de, des cercles habituels, et c'est ça que j'aimerais davantage faire, à ce moment, j'aimerais aussi entendre un peu plus souvent la référence quant au rôle que le coordinateur européen de la jeunesse peut jouer. Nous n'en parlons jamais. Or, nous avons maintenant un coordinateur européen de la jeunesse. Et je voudrais saluer ici combien Biljana Sirakova est dynamique et active. C'est aussi une possibilité pour ceux qui voudraient adresser de nouvelles demandes, pour ceux qui voudraient attirer sur des organisations qui sont nouvelles sur des sujets que les jeunes veulent aborder, de pouvoir l'interpeller. Et à ce moment, elle pourra nous permettre d'assurer cette coordination pour pouvoir adresser des sujets que jusqu'ici nous n'avons pas fait. Encore une fois, je le dis, je pense que nous devons veiller à pas seulement utiliser nos structures existantes, mais réfléchir comment, sur la base de l'expérience de l'année européenne de la jeunesse, nous pouvons faire quelque chose de nouveau, innover, pour pouvoir adresser les sujets que vous soulevez, parce que au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas plus d'éléments concrets à partager. Or, ces questions nécessitent des réponses. Merci. Alors, je Thank you very much, commission, Commissioner, also for being here. So, the Year of Youth obviously was very necessary. I mean, if we speak about the future of Europe, if we speak even about the future of our European institutions, we need to make sure that the youth is engaged and that they participate also in the decision making process. Um, I think a lot of good things happened uh, related to the Year of Youth. But what's also very necessary is that our processes and engagement. Uh, engagements are inclusive. So, I would like to touch upon the participation of the youth coming from the overseas counties and territories. I know that there is the OCT Youth Network. I think that's a very good step, but we also need to have a strategy to structurally uh, engage the youth from the overseas council and territories. So my question to you would be, what is your strategy going to be to make sure that they are engaged and that they participate? And what are you also going to do to make sure that they can participate on a structural and an equal level in the education programs we have, like, for example, Erasmus Plus? Je pense que certes, c'est une question à adresser. Évidemment que nous voulons que la jeunesse puisse être inclue, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas. Il y a juste quelques participations. Je, je pense qu'ensemble avec mon équipe, on va réfléchir à comment mieux les inclure. En ce qui me concerne, les territoires d'Outre-mer, je les vois plus facilement aussi inclus dans des initiatives qui sont des initiatives par sujet. Nous avons créé, exemple, un réseau des jeunes ambassadeurs sur la santé des océans pour la recherche dans des, les différents domaines. Je pense que ça, c'est aussi euh, des initiatives qui leur permettraient de, de participer, y compris sur des sujets qui sont intéressants pour eux. N'empêche d'avoir une réflexion plus approfondie sur leur participation dans Erasmus+, mais j'avoue que ici j'ai besoin de plus d'éléments pour savoir comment on peut améliorer des choses. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Frankowski Tomasz. Europejski Rok Młodzieży w 2022 roku jest dowodem zaangażowania Unii Europejskiej w sprawy młodych i przyszłych pokoleń. Nasze działania na rzecz młodych ludzi nie skończyły się jednak z dniem 31 grudnia. Musimy wykorzystać długoterminowe dziedzictwo roku i w związku z tym chciałbym zadać pani komisarz następujące pytanie. Czy może była już przeprowadzona przez komisję analiza uczestnictwa i oczekiwania młodzieży na podstawie ostatnich badań? które zostały przeprowadzone wśród organizacji młodzieżowych? Jeśli tak, to jakie były rezultaty tych badań? I czy Komisja przewiduje synergię z tegorocznym Europejskim Rokiem Umiejętności, która też oczywiście dotyczy młodzieży? A jeśli tak, to czy są planowane jakieś konkretne działania? Dziękuję. Thank you very much, Madam Comme je vous l'avais dit, nous analysons maintenant toutes les données qui arrivent, mais nous avons déjà quelques-uns. Évidemment, j'ai dit d'abord sur le portail des différentes activités, nous avons eu 13 000 activités. Nous savons maintenant qu'il y a eu 150 millions de citoyens qui ont été touchés par les activités liées à l'année européenne de la jeunesse. C'est très encourageant que les premières réponses que nous, nous recevons nous disent clairement qu'il y a une grosse partie de la jeunesse qui a participé à des activités parce que c'était l'année européenne de la jeunesse. Ils ont su apprendre des choses parce que c'était l'année européenne de la jeunesse. Maintenant, ce qui pour nous est important, c'est de pouvoir faire une analyse complète. Encore une fois, j'insiste, d'ici le mois de mai, nous allons avoir toutes les données et toutes les analyses avec les sondages, avec les différents rapports. Et en ce moment, évidemment, que nous allons faire. En lien avec l'année européenne de la, de, des compétences et l'héritage que cette année, que cette année euh, est censée avoir. Pour ce qui est de la participation des jeunes, peut-être ici euh, une nouvelle plus, fa une plus factuelle. Vous savez que dans le nouveau programme Erasmus, la participation de la jeunesse était l'une des nouveautés. L'année européenne, le budget était de 370 millions d'euros. En 2023, le budget sera de 412 millions d'euros. Ceci reflète aussi cette volonté d'avoir encore plus de projets, d'avoir encore plus de jeunes qui participent. Mais encore une fois, je confirme, le moment venu, nous allons partager avec vous. Toutes ces données, ce que nous avons pour le moment encore une fois, on parle de milliers de projets, de milliers de jeunes qui ont pu participer et qui demandent de continuer à participer parce qu'il y a eu l'année européenne de la jeunesse. Merci, Commissaire. Uh, um dos objetivos deste Ano Europeu da Juventude era a de criação de sociedades inclusivas. Em alguns dos países europeus, 3 em cada 10 pessoas em situação de sem-abrigo são jovens. Os jovens são também aqueles que são mais afetados pelo acesso à habitação e aqueles que mais dificuldade têm em obter habitação, quer através do mercado de arrendamento, quer no acesso à compra e ao crédito da habitação. Dentro do pilar, social dire... do pilar Europeu dos Direitos Sociais, no... no princípio 19, é estabelecido também o princípio do acesso à habitação. De que forma é que, a... é que a Comissão Europeia, no âmbito deste princípio, pretende reforçar o acesso à habitação dos jovens e, desta forma, reforçar aquele que deve ser também o legado do Ano Europeu da Juventude, quando falamos de sociedades mais inclusivas? Muito obrigado. Muito obrigado. Merci beaucoup de votre question. L'accès au logement ne relève pas de ma compétence. Ce que je pourrais dire, c'est que si cette question-là arrive à être discutée, débattue et à avoir une décision qui soit prise au niveau de la Commission européenne, évidemment que par le biais des politiques qui sont sous ma responsabilité, on sera là pour soutenir. Je voudrais aussi euh, rappeler très clairement que quand on va parler de l'année européenne de la jeunesse, il va falloir ne pas perdre de vue le rôle des coordinateurs nationaux. Tout au long de l'année, dans nos États membres, c'était les coordinateurs nationaux qui étaient là pour la mise en œuvre des différentes activités. Et c'est pour cela que j'attire l'attention combien c'est important les rapports que les coordinateurs nationaux doivent envoyer. Ils vont avoir leur dernière réunion au mois de mai. C'est là où nous devons veiller à identifier les bonnes pratiques, ce qui a marché, ce qui a moins marché, comment on a pu joindre des groupes de jeunes qui n'étaient pas jusque-là inclus, comment on peut faire davantage. Concernant l'inclusion, je voudrais aussi partager ici avec vous que j'ai déjà rencontré les agences nationales du programme Erasmus, et les agences nationales sont celles aussi qui peuvent faire des stratégies d'inclusion qui visent justement à pouvoir inclure ceux qui n'ont pas jusqu'ici participé dans le programme ou qui rencontrent des obstacles. C'est une question qui pour moi est importante aussi en ce qui concerne Erasmus, et les, et les compétences qui relèvent de mon, de mon portefeuille. Nous ferons tout pour soutenir cette jeunesse. Thank you Mr. Kelly. Sie sind unser nächster Redner. I would like to compliment our wonderful Commissioner, Maria Gabriel, on her work for the European Year of Youth and for facilitating this discussion on its legacy and lessons learned. And indeed, I think it is something that every Commission should do once every five years. There's no doubt about it, young people have been greatly impacted by COVID. and also are going to be affected most by crisis in climate and they deserve credit for helping through their protests and marches great tobeggar etc to help it create the fit for 55 and net zero but one big area which is a problem and that is the whole area of skills and i would ask commissioner gabriel will she utilize next year's year of skills to ensure that young people are encouraged to take up the skills that are necessary uh, to meet our obligations in renewable energy energy performance of buildings etc through more vocational and educational training thank you very much maraugus madame commissioner merci beaucoup monsieur lié de votre question je suis entièrement d'accord Que pas seulement pendant l'année européenne de la, des compétences, mais depuis le tout début du mandat de cette commission, nous veillons à ce que la jeunesse ait ses compétences de base ou compétences avancées. Pour ce qui est des compétences de base, je voudrais encore une fois le rappeler que nous avons maintenant une nouvelle initiative, Pathways to School Success. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a presque un quart de notre jeunesse qui n'a pas encore des compétences de base en maths, en lecture, et nous devons vraiment continuer à faire des efforts ici avec tous les États membres. Maintenant, l'initiative est entre les mains des États membres. Nous allons les soutenir. Et ce n'est pas la seule recommandation. Dans le cadre de l'espace européen de l'éducation, dans le cadre de plans d'action pour l'éducation numérique, nous veillons à ce que notre jeunesse ait de meilleurs résultats. Mais ce que nous avons découvert avec la crise de Covid, c'est que nous ne pouvons plus adresser seulement l'éducation formelle. On doit aussi adresser l'éducation informelle et non formelle. C'est déjà chose faite. Et nous ne pouvons plus penser uniquement aux compétences en termes de contenu et d'éducation au sens traditionnel. Nous devons veiller au bien-être de nos écoles. Nous devons parler santé mentale. Nous devons parler manière d'enseigner. Et y compris, cela passe par la formation des enseignants. Donc, tous ces sujets ont été adressés. Maintenant, ce qui me reste et ce que j'aimerais, c'est que les États membres utilisent à bon escient le budget sans précédent qu'ils ont pour ces sujets. Je le rappelle que pour la première fois, il y aura autant de budgets dans nos États membres par le biais des plans de relance, par le budget sans précédent du programme Erasmus, pour s'attaquer à ces sujets. Je pense que nous avons tout en main. Maintenant, la question est d'accélérer et d'arriver à avoir une masse critique de bonnes de bonne pratiques qui permettent à l'Union d'avoir un peu plus de succès dans ce domaine. Thank you very much, Mr. Gracias, presidente. Comisaria, el año europeo de la juventud acaba exactamente dentro de tres semanas y yo podría repetir la misma pregunta que hice en esta Cámara hace unos meses. ¿Cuántos jóvenes se han enterado? Como observador de este Parlamento que he sido para el desarrollo del año europeo de la juventud, he visto el interés que ha suscitado este año en numerosas organizaciones juveniles, pero el impacto ha sido muy limitado. Y yo creo que estamos a tiempo de mejorarlo, mejorarlo con un buen legado para los jóvenes. Me gustaría plantearle dos preguntas. En primer lugar, vivimos un momento muy delicado respecto a la situación de la vivienda. Ya le pregunté en su día acerca del problema que tenían algunos estudiantes Erasmus para conseguir vivienda en sus destinos y quiero saber si tiene la comisión... ¿Algún plan para garantizar el acceso a los jóvenes de vivi para viviendas de calidad y asequibles en general y especialmente para los que realizan una estancia de Erasmus? Y en segundo lugar, ¿qué van a hacer para, además de asegurar que prohíben los periodos de prácticas no remunerados, mejorar las condiciones laborales de nuestros jóvenes? Muchas gracias. Merci beaucoup. Sur les deux questions, pour la première, combien de jeunes Évidemment que nous n'avons pas les chiffres les plus exacts. Ce que je disais encore une fois, nous avons le nombre d'activités, 13 000. Nous avons 150 millions de citoyens qui ont été touchés. À en croire les réseaux sociaux, nous avons atteint les 200 millions. Évidemment que j'aimerais qu'on ne s'arrête pas là. Ce qui est important, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui connaissent les opportunités. Que l'Union européenne offre à la jeunesse. Si l'année européenne de la jeunesse a été un tremplin pour les ans, nous devons ne pas perdre de vue ceux qui n'ont pas pu le savoir, et c'est pour cela j'insiste combien c'est important le rôle des coordinateurs nationaux qui doivent avoir un regard très précis sur tout ce qui s'est passé sur leur territoire, de la zone rurale et la plus éloignée jusqu'à la capitale. Et c'est pour cela que c'est très important qu'on continue à travailler avec eux et d'avoir les bonnes pratiques, les bonnes formats que la jeunesse nous a dit que ça marche aujourd'hui de les avoir, y compris pendant l'année européenne des compétences, mais en revanche, de mieux communiquer, de changer quelque chose pour pouvoir atteindre ceux qui ne sont pas au courant de ces initiatives. Je vous l'avais déjà répondu pour l'accès au logement, ce n'est pas une question qui relève de ma compétence. Encore une fois, tout mon soutien dès lors qu'une initiative dans le respect des compétences soit prise dans ce sens. Merci beaucoup. Notre prochain Fragesteller est M. Damian Böselager. Um, uh, thank you very much, Chair, uh, for giving me the speaking time. I have a very quick question regarding the fact that obviously, um, you know, the closer you get to uh, death, the more you decide about the future, which is just uh, a fact due to the demographies that we are currently facing. So I was wondering, in um, regards to more hard kind of power for youth, would you? Support of voting age 16, as we have also asked for in the Electoral Law Act from the European Parliament. Um, and what do you generally think in terms of allowing younger people to participate not only in elections, but also when it comes to standing as candidates for these elections? Frau I think that we have good practices in certain États membres. Concernant la participation et l'abaissement de l'âge pour ceux qui peuvent participer. Maintenant, je ne peux pas intervenir dans le cadre des compétences des États membres. Ce que j'aimerais que les États membres entendent, c'est que nous avons besoin de notre jeunesse. Pas pour lui dire que ce que nous prenons comme décision est bon pour elle, mais pour co-créer et co-mettre en œuvre ensemble avec elle ces décisions pour s'assurer que cette jeunesse est là et qu'elle soit à la fois consciente que ses idées soient prise en considération, mais soit consciente aussi quand il y a des éléments à prendre en considération, des situations à mieux reconsidérer. Donc, c'est pour moi, ça pour moi, c'est le message à, à la jeunesse, nous ne focalisons pas sur un seul sujet qui ne résoudra pas tout, l'âge de la participation ne résoudra pas tout. Nous devons continuer à en débattre et nous devons toujours voir quelles sont les meilleures pratiques en réfléchissant. La diversité des États membres qu'on peut offrir à la jeunesse. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la jeunesse demande pas seulement d'être entendue et écoutée, elle demande de participer dans la mise en œuvre d'une un, décision. Et je pense que l'année européenne de la jeunesse a le plus servi à ça. Parce que même avant l'année européenne de la jeunesse, notre jeunesse a été écoutée. Maintenant, il est clair pour nous qu'ils ont besoin pas seulement de débats et de conférences pour s'exprimer sur un sujet. ils ont besoin d'être là au moment où les solutions sont façonnées, sont modifiées et sont là pour être mises en œuvre. Danke vielmals. Frau Miriam Lexmann, you are Lexman. the next one. Vážená pani komisárka, jedným z cieľov roku 2022 ako Európskeho roku mládeže bolo zdôrazniť úlohu mladých ľudí pre budúcnosť Európskej únie a pomôcť im prekonať negatívne dopady pandémie COVID-19. Počas pandémie sa mnohí mladí ľudia dostali do sociálnej izolácie, stratili vzdelávacie či kariérne možnosti, u mnohých sa vyvinul strach o budúcnosť. Toto všetko umocnené výrazne dl dlhším časom stráveným na sociálnych sieťach spôsobilo zhoršenie ich duševného zdravia. Aj dnes nám prieskumy ukazujú, že kr za zažívame krízu duševného zdravia mladých ľudí, z ktorých príliš veľký počet trpí depresívnymi pocitmi či úzkosťami. Preto by som sa vás chcela opýtať, ako komisia plánuje pokračovať v odkaze Európskeho roku mládež v oblasti podpory a ochrany duševného zdravia mladých. Plánuje komisia ďalšie kroky na ochranu mladých ľudí pred negatívnym účinkom sociálnych sietí? Ďakujem. Pour la jeunesse et pour nous, une priorité. Comme je, je l'ai déjà dit, ça, sera, ça fera partie intégrante aussi de la communication de la Commission en 2023. Évidemment que je verrai aussi à ce que le travail du groupe d'experts sur les lignes directrices concernant le bien-être à l'école soit là pour prendre en considération ces questions liées à la santé mentale. De même, ici, tout ce qui est lié aux effets négatifs des, des réseaux sociaux sera au centre de, de ces lignes directrices. Peut-être juste une suggestion ici. Ne nous, nous limitons pas uniquement au rôle joué par l'éducation ou... Le, 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 les programmes comme programme Erasmus+, concernant la santé mentale. Je pense que le Parlement en soi montre la voie. Nous avons innové, puisque c'est grâce au Parlement européen, avec euh, la, la présidente de la commission culte, Sabine Verheyen, nous avons organisé une conférence sur la santé mentale et secteur culturel et créatif. Ce sont des voies à explorer. De plus en plus, nous devons bâtir des synergies. Tout ce qui touche la santé mentale à l'école, en dehors de l'école, pourrait aussi être là pour explorer de, no de nouvelles pistes et voir comment par le biais d'autres initiatives telles le domaine de la culture, nous pouvons mieux adresser que les voies traditionnelles ces soucis. Et je pense que dans la, dans la communication, en tout cas, je serai là aussi pour veiller à souligner le rôle positif des secteurs culturels et créatifs dans la santé mentale. Il est force de constater qu'aujourd'hui, il y a des projets, il y a des données, mais nous n'avons pas une véritable approche européenne. Et il est grand temps de, de souligner ce rôle positif de la culture pour la santé mentale. Merci, Frau Kommissarin. Notre prochain Redner est Dragos Merci beaucoup, le Président. la Commissaire, Maria Gabriel, merci beaucoup pour votre A fost extrem de așteptat de către toți tinerii de pe acest continent și a fost o inițiativă prin care ne-am dorit să ascultăm vocea tinerilor și să îi implicăm în deciziile la nivel european. Trebuie să ne întreb, întrebăm însă dacă am fost la înălțimea așteptărilor lor. Dacă ne uităm în multe state membre, observăm că eforturile au venit în mare parte de la societatea civilă, de la organizațiile de tineret, de la lucrătorii de tineret. Ei au umplut practic harta la nivel european cu evenimente, activități, discuții. Anul European al Tineretului este realizarea lor și ar trebui apreciate eforturile lor. Dar, când a fost vorba să negociem uh, mecanismul de redresare și reziliență, și am fost raportor pe acest dosar împreună cu alți colegi, am avut un pilon dedicat noii generații. Din păcate, foarte puține guverne au folosit acele resurse pentru parteneriate cu societatea civilă. Ce putem face? Ce, ce angajament vă puteți lua ca în viitor aceste parteneriate să fie mai puternice, mai solide și să construim cu adevărat împreună cu tine. Mulțumesc. Madam Commissioner. En ce qui me concern, il de proposition. Qui est mise dans le cadre de mes portefeuilles et où le point de vue de la jeunesse, l'expérience de la jeunesse n'est pas prise en considération. À chaque fois, nous veillons que ce soit la stratégie pour les universités ou les alliances universitaires et le rôle de jeunes ou jusqu'à les balais de l'innovation où la jeunesse a un rôle à jouer, y compris dans les zones rurales. Tout ceci est pris en considération. J'insiste encore une fois pour que le sujet puisse avoir un peu plus de dimension combien c'est important le rôle de cette carte, le mapping que nous avons fait avec les activités. Évidemment qu'à la fin, au mois de mai, je demanderai de voir sur les 13 000 activités. Quels ont été les domaines dans lesquels il y a eu le plus d'activités, quelle était la distribution géographique, quelles étaient les régions, les associations, les jeunes qui ont été les plus intéressés. Et je pense que nous devons capitaliser sur ces initiatives. C'est pour cela que je veillerai à ce que ça soit inclus et ainsi soutenir ceux qui, via aussi la carte interactive, se sont exprimés en faveur de leur prise en considération pour toute politique future, que ce soit dans la transition verte que ce soit dans la transition numérique dans le domaine de l'innovation ou domaine de la recherche nous devons veiller à ce que la jeunesse soit prise en considération nous l'avons fait tout au long de l'année. Je pense au music, je pense à Culture Moves Europe pour les jeunes artistes. Je pense aux jeunes chercheurs. Je pense à notre jeunesse et les Healthy Lifestyle, les, 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 les labos, les laboratoires que nous avons lancés avec notre jeunesse. Voici des exemples d'initiatives qui doivent être et continueront à être prises en considération. Merci, Mme.